Battle Punch Liners 4ème édition avec un public en folie. Ouais. Ok, pour présenter ce battle, je crois qu'il y a la même équipe. S-I-M-O-N, Simpson 93, Montreuil, on est là. Ouais. Wesley, pas de fou. Battle Punch Liners, on est là, tranquille. Ok, trêve de bavardage. On va présenter les MC à ma droite. Kitty, Montreuil, pas de crew. A ma gauche, YL, c'est tout. C'est ta team. Surface, tu commences, choisis. DJ Battle Bessay. On va commencer avec YL, vous êtes chaud ou quoi? Bon. Ok, j'arrive sans me poser de questions. Ah si, une. T'es une fille ou un garçon? J'ai vu tes chansons où tu parles de politique. Maintenant, faut que tu m'expliques pourquoi quand tu rappes, tu prends une plus grosse voix que l'unique. De toute façon, t'es bon qu'à rester sur le côté. Caboret. Je te vois ici. C'est trop easy. T'aurais pas été là, ça aurait rien changé. Sarkozy. De toute façon, fuck, je te bats sans faire de rime. Easy dream. Oh. Entre les jambes, t'as une plus grosse touffe que Monsieur Satan dans Dragon Ball. Bref, je suis meilleur sans faire de punch comme Sawyer. Dans une de tes chansons, tu dis qu'il faut qu'un coup pour tuer un loup. Ah ça, je viens te montrer qu'il va falloir qu'une gifle pour faire taire une chienne. C'est trop bizarre, ton père c'est Dumbledore, ta mère je la baisse pas car c'est Hagrid. T'as voulu clasher maintenant c'est au prince de s'en mêler. N'y a fou, je crame tes cheveux et t'as la coupe de feu. Time. Kidzi, premier round, s'il vous plaît. Je clash pas contre un homme, mais une tapette, c'est pas possible. À force de nous raconter de la merde, ce BD va finir scatophile. Pour acheter du pain, ce connard tient un prêt à la banque. Il se tape des trans, résultat quand il se déshabille. Merde, c'est sa meuf qui pompe. Clasher contre une meuf, c'est vrai, c'est excitant. T'as fait le premier pas, pourtant je te trouve trop hésitant. Je me répète, je tourne autour, c'est vrai que c'est embêtant. En même temps, comment préparer un clash face à un rappeur inexistant? Un soi-disant rappeur avec la plume à Baudelaire. Un clasher avec le pif de Molière. Ici t'as Montreuil, évite de faire les mecs pas dans colère. Avec moi baisse d'un ton, je vais te niquer comme un curé devant un uniforme scolaire. C'est bon, on arrête, on y va. Ok, je t'allume et je t'éteins comme une bougie. Je suis trop rapide, tu crois que je fais des tours de magie? Au fait les mecs c'est incroyable, mais vrai y'a bien plus nul que PJ. Je crois que je vais m'arrêter là. Franchement, mon run est plus long, mais je crois que je vais m'arrêter là. Je me mets à ta place, tu dois te sentir exclu. Excusez-moi si je suis vulgaire, mais sur ce clash, je te baisse, c'est cadeau. Pour Noël, t'auras un bon film de cul. T'es là, Rolo. Fuck the line de traf, c'est de la merde.
Je vais pouvoir traiter une nécrophile vu que bien sûr elle peut baiser ta grand-mère. En venant ici, vous avez une information exclusive. Le seul MC plus gros que Sadek, c'est une fille. Face à moi, t'as pas le mental comme Ozzy face à Claudel. Anissa, il se place d'être face à Colonel Réel. Moi, je dois dire quoi? J'ai retrouvé Faudel. Je te mets des claques, t'as la peau rouge. Ce soir, quand ton père va te violer, il aura l'impression de faire l'amour à un indien. T'as... Oh, l'enfoiré! T'as un gros nez et le menton qui pend. T'es des masquères, t'ont volé avec ta famille de pélican. T'as fait l'apartheid, je t'appelle Nelson Mandela. Je t'appelle Nelson Mandela, car en toi t'as réuni le noir et le blanc. S'il vous plaît. De toute façon, dis ce que tu veux. Je m'en fous. Personne ne veut t'écouter. T'es comme un CD de Laurie. Time, deuxième round, Kitsi. Ouais, Kitsi. Donc Lion, rêve d'être le roi de la jungle, un peu comme Mafasa. Depuis sa plus tendre enfance, il rêve de s'appeler Mustapha. Toi, tu te branles sur les calots comme Anissa pendant la Saint-Valentin. Évite de te mettre le doigt dans le nez, tu risquerais d'y perdre ta main. Donc là, j'écoute moi, faut être un peu mazo. Je t'ai redave, toi et tes bases de ça, de mazo. Tu dis que je suis maigre, mais t'auras beau boire tes actimels, 75 kilos bouffons, j'ai de quoi te briser les os. Ouais 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 énervé, Punchline. Ok, c'est le genre de type qui pour percer pourrait baisser son froc. Famille nombreuse, sa mère gratte les allocs. Ok, t'as une sale gueule. Quoi? Mon qui foutait en calotte. Sur ce clash, c'est moi la meuf, pourtant c'est toi qui braille comme une salope. Young Lion, je sais pas quoi dire à part de rentrer chez toi et puis bon débarras. Tu fais à ta place, je serais moins le fier parce que il croit que le plus gros rappeur du moment c'est Kenza Farah. Ah, c'est chaud. Toi, je suis une star internationale. Vous connaissez ma famille d'abord? Comment ça se fait que personne n'a reconnu Calvin? Dans Diez, les chapeaux de paille viennent chez WAM, alors reste poli. Petite chaîne où je te tue et je te revends en noix, je suis de Paris. J'aime bien les jokes de chinois de chaîne, je vais t'en faire une autre. Allez. T'es tellement une chaîne qu'il n'y a que les chinois qui te trouvent à croquer. À force de manger des spéciales K, face à moi tu fais plus le poids. Face à moi, tu fais plus pro. Y'a plus d'ADN sur ton bout que sur la porte du McDonald's. À ce qui paraît, t'es aussi zaïroise. À ta naissance, on t'a pas béni, on a fait deux traces de terre sur ta joue, puis on a crié oh, Koubenya. S'il vous plaît. T'es plus nul qu'un rappeur de Bourgogne. Fais pas la mise car moi je sais qu'il y a que le cannibale de Miami qui peut te trouver bonne. Une femme ça a rien à faire dans un clash. S'il vous plaît. Allez Niafou, rentre chez toi, c'est l'heure. Faut que t'ailles faire à manger à tes 12 frères et sœurs. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'entends plus, t'as plus de voix. C'est le clou, je t'avais dit de pas lui mettre dans la gorge.
Tahiti pour les mettre dans la gorge. Puis arrête-toi et mets-toi au reggae car à force de te faire tourner dans les caves, c'est plus durable que tu fais, mais du tam tam. C'est du tam tam, mais vu que t'es antillaise, mes derniers mots seront en créole. Mon beau clat kounia mamao. En vérité, je pense qu'il est tellement nul et que je vais finir en impro. Ok, j'ai commencé à parler ce BAP sur le barreau. En même temps, c'est le seul moment où il peut mettre la barre haute. Je te fais jouer en 4 mesures et j'ai même pas besoin de tarot. Ok, bizarrement, il a des sales chicots de son poteau, il a les dents bien blanches. Mais c'est normal parce que ce bâtard confond ma chenèque avec sa brosse à dents. Ok, tu veux parler ma langue, mais faut la manier. Le bâté parle pas. Coquin de l'iposo et ça, coco maté, hein. Les vinanga et ça, n'a ma boko, n'a pinoté, ni en ma. C'est pas parce que tu pars avant que tu arriveras en premier. Ne crois pas que tu tiens ce clash entre tes mains, imbécile. Okay. On va voir les jurys, Dream. Je suis là pour juger le clash Kidzi, YL. Bon voilà, moi j'ai une décision à prendre, hein. On sera ferme. Je pense que Kidzi elle l'a mis à l'amende, hein. YL il a plus été comique, mais Kidzi elle a plus été tranchante dans ses punchlines. Franchement je pense pour Kidzi. Real, tu j'ai clash YL contre Kidzi. Au début je voulais donner overtime mais ce sera pas possible, donc je prends une décision. D'un côté il y avait Kidzi, punchline sur punchline. D'un côté YL il donnait des phases marrantes. Donc je peux pas me décider mais je suis obligé, donc je vais choisir Kidzi parce qu'elle a été plus percutante. Mais big up à YL qui a pas démérité. Darlo et Decibel, condoléances, on est là. Moi le bâton je donne à Kidzi direct. Parce que vas-y, YL il était bon, il avait des faces marrantes, mais il a trop oublié ses textes. Mais juste marrant quoi, pas de flow, pas de rime, que dalle. Mais à part ça c'était drôle. Mais sinon Kidzi, elle a enchaîné avec la photo de Ken Zafara, elle a fini le délire, c'était réglé. Ma voile va à Kidzi. Lil Wayne de Black Headshot, on est là pour juger la 4ème édition de Battle Punchliners. Donc premier battle, YL versus Kidzi. Ça a été très très serré, moi je voulais donner overtime, ça va pas être possible encore une fois, à croire qu'il faut exprès. Non, sérieusement, moi je vais donner, on est à Battle Punchliners, donc on va juger la punchline. Et niveau punchline, Kidzi elle était plus présente, donc je vais donner à Kidzi, mais c'est pas du tout à l'encontre d'YL. Parce que moi j'avais envie de donner overtime. Mais bon, Kidzi elle a fait un beau travail, donc voilà. Pour Battle Punchliners édition 4, on revient avec le vote des juges. Est-ce que vous avez kiffé le battle ou pas? Ouais, okay, je vais annoncer la décision. Bah, les juges ils voulaient un overtime, mais bon, comme les MC ont refusé, bah, ça va 5-0 et la victoire va à Kidzi. On va faire